Salut sur tous les points. Je suis Serge Valcourt pour l'émission Éveil de la conscience spirituelle. Aujourd'hui, nous allons procéder à la 21e édition de l'émission Éveil de la conscience spirituelle. Puisque nous sommes le troisième dimanche du mois, aujourd'hui c'est le tour de synopsis des signes astrologiques. Et ce dimanche est 21 juin 2020, spécialement, c'est le signe du cancer qui sera bientôt dans l'air. Nous allons en parler à tout à l'heure. Eh bien, pour vous dire, et votre émission, avant de vous parler du signe du cancer, nous allons faire une petite réflexion pour et ce qui va se passer demain, dimanche 21 juin 2020. One day at a time, sweet Jesus. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe. Bon, nous retournons encore et pour nous parler de événements qui ont passé dans l'air dimanche 21 juin 2020. Puisque nous avons fait astrologie aujourd'hui, hein? tout bagaille qui concernait astrologie, faut nous capables de parler de lui. Eh bien, il y a une éclipse solaire et une nouvelle lune demain. 21 juin, dimanche 21 juin 2020, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous choisis vos émissions dimanche dans samedi pour personne pas perdu en rien dans ça yotaka bénéficier de nouvelle lune avec éclipse solaire là, parce que nous pensons si nous voyons émission dimanche gen bagay on te ka ki tan fè ka bon pou ou ke ou pa fè. Eh ben, dimanche 21 juin 2020, nouvelle lune nan ap au rendez-vous. Le gen événement sa, konkou nouvelle lune, konkou éclipse solaire, la nature toujou facilite certains changements sur le plan personnel et même sur d'autres plans comme n'importe quel plan, plan communautaire, etc. Pour ceux qui savent en profiter. Le dimanche 21 juin, nous pourrons assister à un double événement. Une nouvelle lune et une éclipse solaire. Pour vous dire vrai, depuis n'entendez beau, monde qui compte ésotérisme, you kon comment tirer avantage nan manifestation astrologique yo. Eh ben, moun ki konnen de sa m'ap pale yo, demain, avec double événement sa kap dans l'air la, y ap kon ki sa pou yo fè, pou yo bénéficier de manifestation astrologique sa kap gen dans l'air la. Mais pour en bénéficier, il faut savoir jouer le jeu de la vie. Comment bénéficier de la nouvelle lune? En fait, nous avons dit qu'en astrologie, la nouvelle lune est toujours le moment idéal de définir son intention personnelle, de bâtir ses projets et de les faire concrétiser. Pomka dit nous tout que concrétisation projet
n'importe qui projet a accéléré davantage ce dimanche avec l'éclipse solaire là en sus de nouvelle lune. Eh bien, si vous avez un projet dans la tête et que vous tient corps et âme à réussir projet ça, événement astrologique demain hein, a favorable pour mais ça au cas fait si ou réellement ou tient à ce que projet là concrétisé. Cela dit, asseyez-vous en silence avec les yeux fermés. Visualisez fortement votre projet pendant quelques minutes. Puis, ouvrez vos yeux avec la certitude que Dieu le fera exécuter. Cela fait, ne doutez de rien et vivez comme si votre projet a déjà reçu l'approbation de la conscience cosmique. Entendez, m'a répété encore Samson dinou là, si ou gon projet nan tèt ou et que ou tient à ce que projet ça concrétisé à tout prix. Profitez de journée côté nouvelle lune nan commencé et que gen éclipse qui ajouté à ça. Cap mettez la nature là favorable à concrétisation projet ou bien plan ou bien désir n'importe ça lié ça ou fait ou connaît déjà comme moi toujours dit toute bagaille qu'on concret qu'on ou visualiser fermement avec toute force ou met toute ou même la dernière la aboutit quand même la matérialiser quand même parce que sous visualiser le corps et âme on a besoin de faire quand même et pour ça me dit nous puisque demain dimanche 21 juin 2020 a une éclipse solaire ajoutée avec nouvelle lune qui a commencé second projet dans tête ou chita en côté en silence ou ferme les yeux ou visualiser pendant quelques minutes, ou visualisez-le fermement. Lors senti ou prêt, ou senti ou tellement visualisez-le, li fait déjà, ou ouvert sur Kounyala, avec la certitude que Dieu le fera exécuter. Une fois fin fait ça, vive comme si projet a te déjà recevoir approbation de Dieu. Mais pour me dire nous vrai, c'est pas tout projet qui ca recevoir un avis favorable. Par exemple, on demande de avec mauvaise intention ou bien avec un désir farfelu. Il n'est pas capable de recevoir l'approbation de Dieu. Loin de là. Si notre intention, s'organise en pensée, c'est faire un monde mal. Il n'est pas capable de recevoir l'approbation de bon Dieu. Point du tout. Et si ça organise en pensée, c'est juste en fantaisie liée. C'est un bagage qui peut faire ouais. Ou bien, on supplie qui n'est pas nécessaire à demander. N'est pas qu'à recevoir approbation de un Dieu qui est juste pendant que tout l'autre monde a souffri de bagaille qui t'a important pour yo et puis ou même on pensait qui pas régler rien sérieux pour l'humanité il y a plus chance pour une approbation bah qui genre a fait joindre approbation de Dieu là pour un projet joindre approbation force un projet qui clair précis spécifique avec une intention utile à l'humanité. Un projet comme ça, il y a un
pile chance pour l'approuver. Parce que non seulement il n'est pas un projet fantaisiste, il est un projet qui est clair, qui est précis, qui est spécifique. Ensuite, c'est un projet l'autre monde a besoin avantage la donne. Or, l'on pense à l'autre monde, la nature pense à avoir, parce que a fond bagaille qui est bien pour l'humanité. En plus de ça, pas oublier que tout jouet pour bien jouer, faut qu'on gagne un entraînement solide pour gagner compétition. La vie à son tour est un jeu. Personne ne peut réussir sans de bons entraînements. Certainement. Si la vie a son jeu lié, même j'ai tout jouette, pour réussir dans la vie, il faut qu'on bien entraîner. Comme les parents jouent athlétique, Mbakadjo pour courir chaque jour, bien que courir chaque jour bon pour santé. Comme les parents compétition, manger, Mbakadjo pour faire bouffonnerie, manger et en pile, et pas compétition ça lié. Mais c'est un jeu la vie a eu comme toute l'autre jouette. Entraînement la vie ça pour joindre ni gain en pile sacrifice li mandé. Li mandé pour bay à moun ki nan nécessité. Li mandé pour pap serrer ou faire des épingles gloutonnes pendant que l'autre moun a souffri de manque de bien de première nécessité. Demandez pour bail l'amour et la compassion. Demandez pour filtrer pensée, parole, action à travers bienfait ou fait pour l'autre monde. Jouer là, pas facile. Et l'homme joue, il faut jouer le tout avec, faut toujours sincère avec l'autre monde pour qu'a bien jouer tout. C'est pas un jeu qui facile, mais si ça, nous qu'a faire. Bon, si ça pas rien du tout pour ne pas faire, mes amis. Si nous dit donner à ceux qui sont dans la nécessité, ne pas vous livrer à des épingles gloutonnes pendant que d'autres souffrent de manque de biens de première nécessité. Donnez de l'amour et de la compassion. Filtrez vos pensées, vos paroles et vos actions à travers des bienfaits aux autres. Soyez sincères aux autres. Pour réussir le jeu de la vie, pensez-y, ça n'a rien du tout pour pas faire. Pas oublier que très souvent, il y a un monde qui m'en dit, mais qui ne recevoir. Pour qui ça? Simplement, parce que yo pas bien entraîné penser yo pas bien joué jouette là yo pas bien entraîné tout bagay yo pas bien entraîné ou pas ka gagner parce que des fois gen manque d'harmonie entre sa moun nan abdia avec ça qui réellement nan penser yo pas aller sur même onde yo pas battre sur même vibration on moun nan gen doit moun nan a parler droite tandis que penser gauche. L'or pas sincère envers ou pas ka somandie ou pas ka ou réussi parce que ou ka bay tête ou menti ou ka bay l'autre monde menti mais ou pas ka bay la conscience cosmique menti parce que la conscience cosmique kon et vibration penseur avec ça réellement qui saute dans bouchou ou bien ça réellement a fait ou pas ou ka on moun par exemple qui a passé devant l'église li campé ou li wè on mendiant li a les bourses li chargé même mendiant à l'argent pour faire ouais mais c'est pas ou même qui bail livré par une question de fait ouais tout comme ou ka wè on moun tout et qui bail en série de côté li connaît y a servi moun qui nan nécessité li juste baili dans l'anonymat a dit ça c'est un monde qui fait on travaille réellement valable c'est un monde qui baille sans penser de recevoir oh
Si l'on baille sans penser de recevoir ou recevoir, il leur bien joué. Mais si, et parce que t'es un parti dans la Bible qui dit donner pour recevoir, et puis ou donner ou dire, ah, mon connaît ma recevoir, t'es un baille. Ou pas bien joué. Ça, ou parce qu'on joue avec en intention pour recevoir, ou pas bien joué. Mais l'on joue sincèrement, avec toute la sincérité du cœur, et là, ça, ou bien joué. Pour bien jouer le jeu de la vie, il faut avant tout s'adonner à l'amour inconditionnel. Nous pas suspendre ça parce que sans l'amour inconditionnel, ou pas bien jouer. Il faut s'adonner à l'amour inconditionnel pour bien jouer, jouer la vie. Pour bien jouer, jouer la vie, faut qu'on gain compréhension, faut qu'on gain tolérance, faut qu'on gain ça yo pour bien jouer, jouer la vie. Si ou pas gain ça yo, ou pas bien jouer. Mettez en tête tout comme un athlète li ka gagne en compétition, tout comme li ka perdu en compétition, dépendamment de préparation le gain pour compétition. Constate ou même ou gen droit visualiser projet ou pas jamais projet à concrétiser parce que pour réussir le jeu de la vie il faut savoir bien jouer. C'est petit conseil ça n'a pas ou si vous voulez bénéficier le et atmosphère là ou bien le astro ou bien nous qu'a dit le aspect astrologique là favorable gain en pile bagay ou ka mandé en pile projet ou ka vle réussi li réussi mais quand on me dit ou pas en chita sans pas de travail sous tête ou pas ni chita sans ces mauvaises pensées, mauvaises paroles, mauvaises actions à faire et pour chita ou fait ti secret pour le réussir pour elle réussir non qui en pile l'autre sacrifice qui sont des prérequis pour ka réussir projet ou pour réussir plan gain mais cependant sou ka fait sacrifice ça yo. Et puis, ou ka toujours rete conséquent à vous-même, ou rete positif à la vie. Pas gen raison pour projet ou pas réaliser. Pas gen raison pour plan ou pas concrétiser. Toujours gen plan, toujours gen projet. Comme moi dit nous déjà, demain, dimanche 21 juin 2020, avec événement sa kap dans l'air là, qui c'est nouvelle lune qui ajouté avec un éclipse solaire, c'est un moment favorable pour vous. Si vous bien jouez, vous avez gagné. Bon, comme je dis, et c'est jour n'a de bail un petit synopsis sous signe astrologique et puis et dans l'air là du 21 juin du 22 juin, bon, il y a monde qui dit 21 juin quand même. Du 22 juin au 22 juillet, c'est signe cancer cap dans l'air là. Nous pral ba un bref aperçu sur cancer yo ki jan yo ye. Signe cancer, c'est un signe féminin et réceptif. Moun ki natif cancer yo c'est des moun ki fait retrait sous tête yo timide mais yo tenace et puis yo sensible tout moun cancer natif cancer yo loyal yo renmè protégé entourage yo gen yon tendance redouter insécurité parce que yo se moun ki renmè la tranquillité et puis
yo très attentif pour bien-être proche yo. Si moun sa yo, yo kon gen tendance susceptible tout. Parce que c'est moun ki peut dispute. Kote gen dispute, c'est pas place yo. Gen moun ki même considéré yo comme des lâches. Et pourtant, c'est pas lâche ou lâche, non. Parce que de par leur signe, c'est des moun ki, en fait, qui retraite, qui fait retrait sous tête yo, c'est des moun timide, des moun qui évite conflit et des moun qui remè moun tout. Et pas lâche ou lâche. Au niveau du travail, c'est natif cancer yo, yo remè communication. Et des fois, yo gen difficulté pour évoluer dans un monde comme ça qui dur et réaliste. Le travail nan niveau professionnel yo, le travail si yo rive nan niveau yo ou pa ka épanoui et yo vin décourager, rendement yo vin baissé. C'est un signe côté moun yo. Moun ki natif sin sa, yo angoisse souvent et yo nerveux très souvent. En amour, natif sin sa, natif cancer, yo gen en tendance pou se dominateur yo ye et yo très exigeant. Mais, les qu'on dispute en amour, li fort difficile pour réconcilier avec natif cancer. Signe qui associe, qui compatible à cancer, c'est poisson, c'est taureau, c'est vierge, c'est scorpion. Et signe incompatible à cancer, c'est Verseau, Gémeaux, Balance, Sagittaire, Bélier avec Lion. Signe cancer et nan Tarot card, c'est le chariot qui correspond avec cancer. Même tout comme le conducteur du chariot, le cancer utilise son esprit pour l'aider à concentrer toute son énergie pour atteindre ses buts. Les ogons ont but, vous connaissez, ta chariot, c'est comme si nous t'a dit, c'est une machine qui conduit par des chevaux. C'est ça qui est un chariot. Yo poil non but bien déterminé. Comme yo dit nous là, si et tarot card qui correspond avec cancer, c'est le chariot. Cancer gon un côté bien déterminé, bien précis que le veut aller pour atteindre bulle et pas gain en rien cap camper en route pour atteindre bulle. Mais c'est un signe tout qui très adaptable au changement. Yo plein fougue et yo remet action précise, décision rapide pour kap mener yo nan succès, nan sa yo vle réussir. M'pense c'est un bon bagay sa yé pour les natifs du cancer. Eh ben, m'souhaite de faire en pile nan nou plaisir jodi a pendant m'a parlé de astrologie. Rendez-vous nous comme toujours, c'est premier dimanche du mois de juillet pour éveil de la conscience spirituelle
fè ti refleksyon filozofik la pou nou. Mwen souwete nou pase yon bon jounè. E pwi, ke nou mette an pratik tout sa nou konè pou nou fè proje nou reyusi pandan ke nouvel lune nan avèk konsa ke nouvel lune nan avèk eklips solèr la an manifestasyon demè dimanche 21 juin an avan tou m'ap souwete nou joyeuse vakans d'été joyeux été parce que été commencé 21 juin merci à la prochaine